le dieu de la vengeance. Qu'est-ce que je dois faire, Ndouka? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu me bats? Pourquoi tu me bats? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Toi, tu as donné. Hein? Et tu l'as fait encore. Tu joues avec mes sentiments. Hein? Tu es folle. Papa, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as l'habitude de faire tout ça? Tu as commencé à frapper maman depuis qu'on était tout petite. Hein? C'est un crime de desservir la nourriture. C'est un crime. Ferme ta bouche. C'est à moi que tu parles comme ça. Hein? Hein? Fais stupide. En tout cas, en quoi j'étais offensée? C'est parce que je ne t'ai pas encore donné un enfant masculin que tu dois me battre tous les jours. Tu as le courage de me battre tous les jours juste parce que ma famille n'est pas à mes côtés. J'ai quitté l'hutte de mes parents pour venir habiter avec toi. C'est comme ça que tu me payes. En tout cas, suis-je devenu Dieu que dans des enfants? Suis-je devenu maman, Dieu? Maman, c'est bon, calme-toi. Ferme-la. Maman, on est plein. Je veux que... Tu me donnes cette nourriture. Arrête. Tu comprendras pourquoi tu ne vas pas donner la nourriture. La manière dont j'étais frappé. Tu regretteras la manière dont j'étais frappé. Les gens fous. Ah. Maman, ne t'inquiète pas. Hein, d'accord. Faut pas les suivre. Ne t'inquiète pas. Faut pas mettre ça en guerre, maman. Ne pleure plus. La manière dont papa traite maman ne m'écoute pas. Il revient à la maison tous les jours, Yves. Et il traite maman comme un sac de boxe. Ce n'est pas juste, oh. Ujuma, arrête de pleurer, d'accord. Toute chose ira mieux. Ok, maman, aussi, te plaît, je t'en supplie. Ok, mes filles. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que les hommes de ce royaume se comportent. Ce n'est pas le cas de notre royaume d'où je viens. Là, on traite les femmes avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'honneur. Mais ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi? Mais je sais qu'un jour, mon Dieu va me justifier. Osoboro se souviendra de moi. Maman, ce n'est pas ça la raison pour laquelle papa se comporte de la sorte. Il se comporte ainsi parce que tu es incapable de lui donner un garçon. C'est vraiment ça la cause. Oui, maman, je crois que Sir Wam a raison. Papa a changé récemment. Il n'était pas comme ça avant. Maman, c'est bon, hein? C'est bon. Viens t'asseoir ici. Viens, viens t'asseoir. Maman, arrête de pleurer, non? Arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer. Tout ira mieux. C'est bon, c'est ok, hein? Ujuma, qu'est-ce qu'il y a? Ogene, tu pleures? Ujuma, je t'avais dit d'arrêter de pleurer. Arrête de pleurer, pourquoi tout ça, non? Grande sœur, pourquoi le père de ce village préfère toujours les enfants mâles? Pourquoi? Parce qu'il semblera que les garçons les succèdent après avoir rejoint les ancêtres. Mais je connais la raison pour laquelle papa se comporte comme il se comporte. Vraiment? Oui. Parce qu'il veut participer au couronnement des Hittiers de notre royaume. Et j'arrive à réaliser que tout homme qui n'a pas un garçon... Il n'est pas qualifié pour gagner ses titres. Raison pour laquelle il est en colère. Donc c'est à cause de ce fameux titre que papa a choisi de tabasser maman tous les jours.
et le fait plonger lui-même dans la boisson, eh bien, très bientôt, je veux dire très bientôt, nous allons nous marier et quitter cette maison pour de bon. Oudjou, pourquoi parles-tu du mariage? S'il te plaît, ne parle pas de mariage. À ton âge, tu es encore si jeune. À ce qui me concerne, je ne peux pas me permettre à épouser un homme de notre royaume. Parce que, après tout, il va se retourner contre moi. Ces hommes sont tellement méchants. Donc, tu essaies de dire que nous n'allons pas nous marier. Tu resteras pour la vie dans cette maison. Est-il un crime? Si je ne me marie pas, c'est un crime? Bien. Et même si je me décide de me marier, pas un homme venant de ce royaume. Parce que ces hommes, laisse-moi te dire, ils sont méchants. S'il te plaît, oublions le mariage maintenant. Sortons ce problème de mariage et soyons focus sur notre futur. Parce qu'on a une chance dans le futur, ok? Oh, c'est bon. Je sais que tu as faim. Oui, je le suis. Viens manger ta nourriture, ok? Partons de ce côté. Oh, pourquoi il prend si du temps? Hein? Pourquoi il traîne comme ça? Hein? Ami mama, amun tekem, ani mama. S'il te plaît, s'il te plaît, n'ose plus mettre ta main sur moi encore, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu m'as gardé ici toute la journée pour t'attendre? Pourtant, tu m'avais dit que tu seras ici à l'air. Amouche, je faisais quelque chose à la ferme. Je devais d'abord finir là-bas avant de venir ici. S'il te plaît, stop! Hein? Arrête avec le mensonge. C'est tout ce que j'attends chez toi, toujours des excuses à tout moment. Tu sais que je suis le leader dans la réunion de Utumbweti. Et je dois arriver dans cette réunion aujourd'hui. Et les leaders doivent être là, à l'air. Et toi, tu t'es mis à me laisser ici pour gaspiller mon temps. Quel genre d'homme es-tu? Amati, tu vas amener la chose très loin. Tu l'amènes vraiment trop loin. Je vais prendre comme je veux. Je vais prendre si grave comme je le veux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok, j'accepte que je suis fautif. Hmm? C'est bon, est-ce qu'on peut oublier cette affaire et commencer à parler d'autre chose, s'il te plaît? Oh, maintenant tu m'acceptes. Après avoir me contredire, et tu m'acceptes maintenant. De toutes les façons, je n'ai pas assez de temps pour parler avec toi. Oui, peut-être quand j'aurai le temps, quand je peux me créer du temps pour parler, on parlera. Excuse-moi. Donc tu vas partir comme ça? Ah bon, tchè. Eh oui. Hé, je savais que cette fille avait un fort tempérament. On n'a pas parlé, elle part. Hé, peu importe. Vous êtes le bienvenu dans la reine de Otuombo. Le prochain couronnement d'Itié arrive bientôt. Alors nous attendons de jouer aux nouvelles danses. Écoutez, nous devons juste réunir toutes nos forces. Est-ce que je me fais vraiment comprendre? Nous ne pouvons pas se permettre de décevoir tout notre royaume. Mes salutations. Soyez le bienvenu. Ok. Mama, pourquoi es-tu en retard? Et tu connais très bien la peine de venir en retard dans la reine de Utumbo. Je suis désolée, Amouche. J'avais demandé la permission chez Ebere. Parce que je devrais normalement préparer pour ma maman avant de venir. Je suis désolée. Tes esquisses sont acceptées, mais à la prochaine, je ne vais plus tolérer ce genre d'esquisses. Quand tu arrives en retard dans la réunion, tu dois subir la peine. Je suis bien claire? Oui, je t'en prie. Comme je disais, on a besoin de nouveaux pas et les nouveaux tambours. Applaudissons pour nous-mêmes.
on finit par ici aujourd'hui. Tu es tellement belle comme le soleil du matin. C'est pourquoi moi je t'aime beaucoup. Est-ce une chanson? Je ne comprends pas. Attends, où tu es, s'il te plaît, je t'en supplie. Faut plus jamais me stopper pour me dire tout ça. Hein? Je pense que je te l'avais déjà dit, je ne suis pas intéressée. S'il te plaît, arrête de me distraire. Je suis la seule belle fille dans ce village. Où tu es, s'il te plaît? J'ai déjà assez de choses à régler dans ma tête. Wama, je suis très sérieux. C'est toi la plus belle fille dans tous ces villages. C'est pourquoi je te supplie toujours d'accepter ma proposition. Sois ma femme et non ma petite amie, s'il te plaît. S'il te plaît. Eh oh, Chai. Tu me fais vraiment pitié. Ichi, tu veux m'épouser? Oui, je veux vraiment t'épouser. Que fais-tu dans la vie? Je suis un grand cultivateur. Je cultive dans ce village et même au-delà. Avec tout ce que je vois là? Oui, ne doute pas de moi. S'il te plaît. Où tu es? Je ne veux pas t'épouser. Pas seulement toi, mais tout homme dans ce village. Tu m'as entendu? Regarde la façon dont tu parles. Tu parles comme une femme. Va d'abord te faire un homme. Avant de m'approcher, excuse-moi. Lou Kwama, mais qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu me dire qu'il n'y a aucun homme qui est assez bon pour attirer ton attention ou quoi? Écoute, j'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Écoute, tu n'as qu'à accepter ma proposition. C'est tout, moi, Nyoma. Aucun homme n'est assez bien dans ce village. Pour moi. Parce que je ne suis pas intéressée. Est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas intéressée. Alors, s'il te plaît, je ne veux pas t'insulter, Uche. Je ne veux surtout pas t'insulter, s'il te plaît. Juste, dégage. Excuse-moi, c'est quoi tout ça? Cette fille est vraiment de plus en plus têtue. Ah, j'espère que je t'aurai un jour. Maman, pourquoi papa nous maltraite-t-il? Pourquoi il nous maltraite? Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi vous pleurez toutes les deux? Papa nous a frappé parce que j'avais gardé toute la nourriture dans la marmite. Juste ça? Je crois qu'il avait dit qu'il n'a rien à faire avec notre nourriture. Hein? Votre père fait tout ça pour me frustrer. Il me frustre dans cette maison. Il veut que je fuis avec mes enfants. Non. Cela ne peut pas arriver. Tout ça doit s'arrêter. Il doit stopper maintenant. Où est-il? Il est derrière la maison. Il doit stopper. Non, ma fille, reviens. 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 Oh. Tu connais, tu sais bien comment votre père est. Laisse-la. Laisse-la aller affronter papa. Je ne cherche pas d'autres problèmes. Papa, pourquoi tu fais ça à tout moment? Pourquoi tu as l'habitude de frapper maman, même si elle n'a rien fait de grave? C'est que je sais qu'elle t'a pas fait quelque chose de mal. Oh, pourquoi? Tu veux te battre? Elle t'a envoyé pour qu'on fasse un duel? J'ai compris que tu as grandi. Oh, s'il te plaît, faisons pas semblant comme si tout allait mieux. Ne nous voilons pas la face. Appelons le chat par son nom.
Parce que tu n'as pas épousé maman comme une femme légitime, n'est-ce pas? Non, même pas. Je ne l'ai pas épousée pour tout ça. Écoute-moi, la prochaine fois que tu me parles de cette manière, je vais te gifler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Papa, tu peux continuer à faire tout ce que tu veux faire. Mais la prochaine fois que tu lèves la main sur maman, je dirai à tout le royaume ce que tu as fait. Impoli. Hey, impoli. Impoli. Regarde les filles d'aujourd'hui. Tu as l'audace de parler à ton père comme ça. C'est pas grave. Pas de problème. Amouche. Amouche. Pourquoi tu te fâches aussi facilement chaque fois que nous sommes ensemble? Ton attitude, sérieusement, ne fait que m'énerver. Mais oui, ça m'énerve vraiment. Je suis souvent de la température haute. Et je ne peux pas résoudre cela. Je crois que tu essaies de me comprendre maintenant. Habitué à quoi? Oui. Habitué à quoi? Pendant que tu as difficilement du temps pour moi, c'est seulement tes activités là-bas dont tu sais prendre soin. Que veux-tu dire? Bien, je suis le leader de la réunion de Utombo. Et cela m'oblige à donner tout mon temps et toute mon énergie pour bien travailler. Même au détriment de ta propre relation amoureuse. Réponds-moi. Ako. Hein? Ako, hein? Ne m'énerve pas s'il te plaît. N'ose surtout pas m'énerver. Qu'est-ce qui arrivera si tu te fâches? Le ciel va-t-il tomber? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y aura? Je vais m'en aller. T'en aller? Oui. Va-t'en. Je partirai. Oui, va-t'en. Je pars. Va-t'en. Va-t'en. Mais c'est quoi tout ça? Moi aussi je me fâche. Moi aussi je suis en colère. Ah! Uche, je vais aller dire à ces garçons que moi je suis Ako. Hmm? Aucun ne peut me frapper, toi tu le sais bien. Au contraire, moi je vais les écraser. Tu me connais bien. Je hey, vais leur montrer, je te dis. Attends, regarde là. N'est-ce pas la Wama, la fille de Uzondeka? Hein? Non, bien sûr, c'est bien elle, non? Hein? Elle est devenue une très très belle fille. Hein? Ha! Mes salutations. Salutations. Hey, Omale Changwan. Encore là. Hey, cette fille, non, cette fille est vraiment belle. Non, quelle beauté. Cette fille est trop belle. Exact. Oui, une très belle fille et des bons caractères. Mais son problème est qu'elle n'a jamais eu d'homme pour l'épouser. Hein? Attends, veux-tu essayer de me dire que cette fille n'a aucun homme dans tous ses royaumes? Aussi belle comme c'est la personne. Regarde. C'est tellement une très belle fille dans ce village, mais elle n'a jamais accepté aucun homme de Kobo, notre royaume. Tu sais quoi? Je vais la courtiser. Hein, fais-moi confiance, hein? Fais-moi confiance parce qu'elle n'aura pas d'autre choix. Le seul choix qu'elle aura sera de m'accepter. Et si tu insistes, ne dis pas que je t'avais pas averti. Hein. Vas-y. Reste là. Reste là, attends-moi. Je te donnerai une bonne nouvelle. Ne bouge pas, s'il te plaît. Reste là, je t'amène une bonne nouvelle. Ok. Reste là. Je reviens. Hey! Attends-moi là-haut. Wama. 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 Hey! J'espère qu'il y a aucun il n'y a aucun problème du tout. Je suis Ako, fille de Uzoma, le grand chasseur. Ako, je te salue. Laisse-moi t'aider un peu. Non, c'est bon. Oui, je me suis habitué à ça. Merci pour ton aide. Ok. Non. Je te vois toujours partout dans ce royaume. Mais je te connais. Depuis que tu es toute petite. Hein? Tu as grandi vite. Tu as grandi, tu es devenue une très belle femme. Très belle. Hein? Vraiment. Merci. Une autre chose. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Il y a quelque chose de très sérieux dont j'aimerais discuter avec toi. Sérieusement, tu as frappé mes yeux et toutes mes émotions. Hein? Et je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi dans tous ces royaumes. Hey, non, tu es tellement belle. Et s'il te plaît, je veux que nous soyons des amis. Au fait, plus que des amis.
Parce que je commence à tomber amoureux. Hein, tu comprends, je tombe déjà amoureux. Juste me rencontrer pour la première fois. Et tu tombes déjà amoureux de moi. Comment? Les hommes du royaume d'Odo, vous n'arrêtez pas de me surprendre. De toutes les façons, merci de m'avoir aimé. Mais je ne suis pas intéressée. Il y a tant de belles filles dans ces royaumes. Tu peux juste choisir une. Comme tu peux le voir, j'ai une lourde charge dans ma tête et je partais déjà à la maison. S'il te plaît, excuse-moi si ça ne dérange pas. Non, mais attends, mais je n'ai pas encore terminé. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Hey, cette fille a des choses. Hey! Hey! Où tu m'avais bien parlé de ça? Il m'avait bien prévenu. Bon, peu importe. J'espère qu'il est encore là à m'attendre. J'espère qu'il n'est pas parti. Ago, c'était comment? Elle a dit quoi? Hein? Ah, Ouché, tout ce que tu m'as dit sur cette fille-là était peut-être vrai. Hein? Cette fille, elle n'a jamais accepté aucun homme dans ce village. Elle préfère rester seule. Elle est comme ça. Ah. Même celle-là qui vient dans l'autre village. Des riches, des pauvres, des beaux gars, même les fauchés, elle refuse toujours de l'épouser. Je suis le témoignage vivant, je t'ai dit. Attends un peu, Ouché. Est-ce que tu l'as déjà dérangé? Dis la vérité. Regarde, Ako, je te dis quelque chose. Ne me doute pas. Tu sais bien, je suis Ouché, les grands connaisseurs du village. Non, ne parle pas d'Amouché ici. Je ne veux même pas écouter son nom ici, s'il te plaît. Cette fille est trop orgueilleuse. Elle est vraiment arrogante. Je ne pense pas que je peux rester avec une personne comme elle. S'il te plaît. Ouché vit dans une famille riche. Pourquoi tu ne la respectes pas? Ils ont de l'argent et elle est fière. Non. Écoute, je pense que j'aime toujours cette Noama. Hein? Ah, cette fille est vraiment très belle. Au fait, hein? C'est mon genre de fille, vraiment. Je vais tout faire pour l'avoir, même si ça va me prendre toutes les années. Je dois gagner son amour. Cette femme, tu peux beau essayer, mais elle ne va jamais t'épouser. Ah, attends, es-tu en train de me dire que elle est encore vierge? Attends, donc elle est encore vierge? Oui, oui, Ako. Ah. Mais il faut que j'aille cette fille. Amouché, depuis que tu es venu ici, tu n'es pas toi-même. Dis-moi, mon ami, qu'est-ce qui te fait mal? Ako, mon âme a changé, juste comme ça. D'habitude, il passe me voir, m'envoyer des messages si possible. Mais il a tout stoppé. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je suis vraiment inquiète. Je pense qu'il n'est plus intéressé par moi. Hey! Hey, wow! Les hommes de notre royaume. Es-tu sûr qu'il ne voit pas une autre femme? Exactement. Exactement ce que je pensais. Mais la question est, qui est cette fille? Qui est cette fille? Écoute, tu dois l'espionner. Oui, espionne ses mouvements. Crois-moi, tu auras directement des résultats. Je jure sur mes ancêtres. Si je découvre la fille qui est derrière ces changements d'attitude, elle payera avec sa vie. Elle payera avec sa vie. C'est bon, mon ami. Elle payera pour tout ça. C'est bon. Tu dois juste être sûr que je suis vraiment derrière toi, ok? Peu importe la façon dont tu termineras ces problèmes. Peu importe la façon dont tu les termineras. Juste sois-en sûr que je suis derrière toi.
Je serai toujours là pour toi, ok? Alors, courage. Calme-toi. Calme-toi. Merci. No. Izundoka. Oja bien. No. C'est pour ça que j'ai confiance en toi. Comme Ezenezenezeneraka. Fais-le pour nous. Et ça sera fait. Chuko kika biama. Oja bien. Quiconque apporte la noix de cola apporte la vie. Il sait. Il prie que nous mangeons ce cola et que nous ayons la vie. Il sait. Et aussi la paix. Il sait. Et il y aura la paix dans notre royaume, le royaume d'Obo. Il sait. Oh no. Les grands oh no de notre village. Hey. Oh no. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a emmené dans ma demeure? Oh no. Tu sais que notre peuple dit que la grenouille ne court jamais dans la journée, pour rien du tout. Et ils disent aussi, l'imagination est importante que la connaissance. Oh no. Je m'imagine que les dieux n'ont pas voulu que j'aie d'enfants. Izendoka, pourquoi es-tu en train de parler comme ça? Arrête de dire cela, mon ami. Je sais comment tu te sens. Je sais ce que ça fait à un homme de vieillir sans avoir un garçon qui continuera sa lignée. Mais je peux te dire ceci. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour vivre. Oh non, tu parles de l'espoir. Exact. Oh non, j'ai perdu l'espoir de vivre. Oh non, dans peu de temps, je vais trouver une solution d'abord par rapport à ça. Oh non, je suis encore en train de perdre le temps. Oh non, je dois attendre le message avant que ça arrive encore. Oh non, toute ma génération, on a déjà quitté cette étape. Tout ça parce que je n'ai pas un fils. Chukudika Diama, qu'est-ce que je fais? Bénis-moi avec un fils. Alors je saurai combien je suis un homme. Hey! Ah! Tout ce qui fait en sorte qu'un homme pleure ne peut être que ce qui brise son cœur. Hey! Mais je peux te conseiller, mon cher ami. Il n'est jamais trop tard pour prendre une deuxième femme. Exact. Où est passé Yako? Où est passé Yako? Ok. Il m'évite volontairement. Il n'a plus d'amour pour moi. Je sais quoi faire. Je sais quoi faire. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, accepte ma proposition. Je viens avec un cœur pur. Accepte ma requête, s'il te plaît. Je te promets, tu ne vas jamais le regretter. Ako ou peu importe ce qu'on t'appelle, je te l'ai dit à plusieurs reprises que je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée par les hommes de ce village. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes trop méchants et moi je ne le veux pas. S'il te plaît, je ne suis pas intéressée par toi ou par un autre homme de ce village. Laisse-moi partir, je t'en supplie. S'il te plaît, je ne suis pas comme tous les autres hommes de ce royaume. Je ne suis pas comme eux. Je suis différent. Et à quoi tu ressembles? Je te promets que je te rendrai très heureuse. Je te rendrai heureuse pour tout le reste de ta vie. Suis-je pas heureuse? Est-ce que je l'ai stressée? Tu ne sais même pas que je suis en train de te supplier de me laisser tranquille.
C'est parce que je t'aime. Aime-toi toi-même. C'est pourquoi je m'ingénuis. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu te plonges dans le sol, tes pardons ne feront rien du tout parce que je ne suis pas intéressée. Ah, s'il te plaît, j'ai tant de choses à faire. Hein? Laisse-moi partir. Oh, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non, mais arrête. Je te dis que je t'aime. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je t'aime. S'il te plaît, oh, ne reste pas lentement amoureux parce que je ne suis même plus intéressée. Ah, c'est quoi ça? Aime-toi toi-même. C'est quoi ça? Qu'est-ce enfin, qu'il y a comme ça? Hey! N'importe quoi! Hey! Dieu de notre terre, je vous prie, nos dieux, aidez-la à voir le cœur pur avec lequel je viens. Hey! Peu importe, un homme m'a dit une fois que les bonnes choses ne viennent pas facilement. Peut-être que je dois encore essayer plus d'efforts. Hey! Vraiment ça, la raison de où qu'on m'évite. Hein? Hey! De sortir avec cette sale pite. Hey! C'est mon ma qui veut prendre mon homme. Hey! Ok. Surprise! Qu'est-ce que tu fais ici, Amouché? Qu'est-ce que tu fais ici? D'accord. Je n'ai jamais su que tu es si... Ah, de quoi je parle? J'ai toujours su que tu es un homme lâche. Mais je n'ai jamais su que tu parvais jusqu'à ce niveau-là de s'agenouiller devant la femme pour réclamer ta demande. Oh, donc tu m'espionnes? Et toi, tu m'as trompé avec cette sale fille. Cette idiote. Moi, ma. Tu es un homme méchant. Tu es vraiment ingrat. Tu... C'est la raison pour laquelle dont tu m'évites. N'est-ce pas? C'est à cause d'elle que tu m'évites. Écoute-moi maintenant, Mouché. Que je vais choisir pour le reste de ma vie n'est pas ton affaire. Tout ce que nous avions est resté au passé. Et s'il faut que tu le saches, je ne peux plus rien avoir avec toi parce que tu es trop arrogante et remplie de toi-même. Lis mes lèvres maintenant. Reste très loin de ma vie. Reste loin de moi et occupe-toi de tes affaires. Ah! Akko! Akko! Tu m'as rejeté à cause de cette sale pite? Tu viens de jouer avec les fées! Tu viens de jouer avec mes nerfs! Tu as joué avec mes nerfs! Akko m'a poussé jusqu'au bout de ma vie. Tu dis que tu as vu Akko et Moma, tu l'as pas battu? Comment suis-je supposé le battre? Comment suis-je supposé le battre tandis qu'il était la personne qui le suppliait? La supplier, tu devrais lui voir plonger dans le sable juste pour la supplier. Et elle était sérieuse comme si elle était vraiment intéressée dans la relation. On doit l'affronter. Il faut la dire que Akko est un homme. Comme ça, elle doit être prudente. Je devrais bien être là. Comme ça, j'allais la battre. Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre Akko. Non, je ne peux pas. Surtout pas maintenant lui perdre. Tout le monde dans ce royaume savent qu'on était dans une relation. Je ne peux pas lui perdre. Je ne peux pas perdre mon homme. Je ne peux pas le perdre. Tu dois saisir cette opportunité. Tu dois faire quelque chose à propos de ça. Essaye un peu de bien réfléchir. Oui. Tu as raison.
Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'empêches de passer? Tu es la pite qui veut m'éloigner de mon homme. Maintenant, écoute-moi très bien. Akko, c'est mon futur mari. Et si seulement je te vois, lui fréquenter encore, je te montrerai comment apprendre de bonnes manières. Tu as fini de parler? Ou tu as d'autres choses importantes à dire? Hey! Les choses étonnantes ne manqueront jamais, hein? Tu n'as même pas honte de toi-même de me stopper, me suivre jusqu'en route. Parle à propos de ces chèvres appelées Akko. Tous les gens qui essaient de m'approcher disparaissent juste comme ça dans le vide. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Dis à ton soi-disant ego de garder tout ce que lui contient à l'intérieur, parce que je ne suis pas intéressée. Et il n'est même pas de ma classe. Je suis une très belle fille, et surtout tellement élégante, qui a de la classe. Alors je ne peux pas gaspiller mon temps avec cette chose appelée Akko. En tout cas, vous vous êtes faites l'un pour l'autre. Parce que ce n'est même pas ma classe. Pour être si bien clair. Alors, n'ose plus me stopper dans la route pour me parler de ces bâtards encore. Parce que je ne le prendrai jamais à la légèreté pour toi. Excuse-moi. Comment oses-tu, maman? Donc, elle pense qu'elle est la plus belle pour les hommes de ce royaume. Je la montrerai que personne ne peut m'affronter. Et la personne qui essaye, je la pousse dans sa tombe. Tu ne me respectes pas dans cette maison. Tu commences à faire honte de mon nom. Tu n'auras pas la paix. Jusqu'à ce qu'il te tue, je vais te tuer dans cette maison. Un mensonge. Tu ne feras rien du tout. Tu ne vas pas la tuer. C'est quoi ton problème? On ne peut plus être en paix dans cette maison. Ferme-la. Regarde-toi. Les oiseaux des mêmes plumages. Telle mère, telle fille. Les femmes inutiles. Dégage de mon chemin. Regarde comment tu es devenu. Tout ça parce que j'étais pas un enfant garçon. Regarde, ça n'a pas de sens. Ah, un ivrogne. Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Je t'en supplie, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu as encore fait ce matin? Maman ne lui a rien fait du tout. Oh. Il est venu ivre et s'est mis à la frapper. Elle n'a absolument rien fait du tout. S'il te plaît, on se boulot.
essuie mes larmes. Ça suffit, maman. Maman, c'est bon. Insupportable. Ok, maman, n'est plus. Plus. D'accord, tout ira mieux. Ça n'est plus, maman. De trop. C'est bon, maman, n'est plus. Lydie, que nous continuons à prier. Oui. Il te donnera un enfant. Oui. Ne te dérange pas, maman. Oui, maman. Ça va aller, d'accord? Sois juste calme, ok? Ne pleure plus, d'accord, s'il te plaît. Maman, ça suffit. Ok. Désolée. Tu sais que cet homme est vraiment un ivrogne. Et tu le laisses venir manger la nourriture. C'est quoi tout ça? Maman, c'est bon. Maman, allons à l'intérieur. Maman a frappé plus qu'elle pouvait le faire. Et je dois faire descendre ma colère sur elle. Amouchi. Tu parlais assez trop. Si maman est très têtue de ne pas laisser ton homme, alors on va s'apprendre à elle. Elle a déjà assez fait pour le moment. Et je dois la mettre hors de mon chemin. Mais comment je vais m'y prendre? Belle question. Viens là. Oh... Ah, ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Merci. Je t'en prie. Uche, Amuche m'a vu avec moi aujourd'hui. Eh? Elle s'y va-tu? Non, elle ne l'a pas fait. C'est comme si elle m'espionne. Cette fille est vraiment bizarre. Je l'apprécie pas. Tu es chanceux. Elle fait quelque chose de bon. Parce que je sais que cette fille, pour être fille, était un problème. Non, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire à moi, quand je suis là. Elle sait qui je suis. Ako, mon ami, si je devais te conseiller, je te dirais que si tu n'aimes plus Amouche, regarde-lui et dis-lui en face. Elle sera une victime d'amour et puis elle va te blâmer après. Je lui ai déjà dit ça. Je lui en ai déjà parlé plusieurs fois que je ne veux plus jamais de cette relation-là. Que la relation est déjà terminée. Mais c'est comme si elle ne comprend rien. Elle ne comprend rien du tout. Hein? Mais pourquoi? Ok, très bien. Mais Ako, mon ami, calme ton esprit. Je pense, quoique la fille avait dit ça, elle n'est pas encore prête d'accepter la proposition. Vous êtes toute la bienvenue dans le jardin de filles du royaume Dodo. Bienvenue. Aujourd'hui marque le cinquième jour du cinquième mois de l'année. Les filles du royaume Dodo vont aller dans la forêt d'Omba pour chercher les fougères. Et comme nous savons tous notre traduction est que le nombre de fougères que tu amèneras à la maison sera le nombre de bénédictions qui viendront vers toi. Maintenant, nous devons entrer dans la forêt et se faire une partenaire nous-mêmes. Cela va nous permettre à chercher dans toute la partie de la forêt. Aujourd'hui, nous devons aller pour la recherche. Je crois que je suis très bien claire. Oui, oui Ochi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, Ochi. Maman, je ne t'entends pas parler. Est-ce que je suis claire? Partageons-nous dans la forêt. Après vous. On vous suit.
les choses se font comme prévu. Sois-en sûr que toute chose marche selon le timing du plan. Toute chose est bien contrôlée. Précédons-les. Attendons les autres ici. Oui, attendons. Serrez bien vos ceintures. J'amènerai beaucoup avec moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle regarde comme ça? Oui, j'avance. Oui. Il est temps de choisir notre partenaire. Ok, à ce que je pense, allons-y ensemble. Ok, allons-y. Ngozi, oui? Tu préfères aller avec moi, n'attendons plus. Chigo, partons. Maman, pourquoi pas nous rejoindre et allons de ce côté? Je ne veux pas rejoindre votre groupe. Je veux aller seule. Ok, oh. Si tu dis ainsi... Thank you.
Bonjour. Hey, maman. Maman, bienvenue. Eh oh. Maman. Remets ça à la maison. Appelle-moi au moins. Ouais, on n'est pas encore arrivé de la réunion de classe d'âge. Ah ah. Oh, on n'est pas encore de retour. Oui, maman. Es-tu sûre? Oui. Ah. Mais quand j'ai tout changé, j'ai vu ses amis en train de rentrer déjà, non? Elle aurait dû déjà être à la maison. T'as-t-elle dit qu'elle allait passer quelque part? Non, elle n'a rien dit avant de partir. Ça, c'est inhabituel. Ok, tu sais ce qu'il faut faire. Mets ça d'abord à la maison. Va chez Onini, hein? Pour savoir si elle est là-bas. Hein? Ah, ah. Ah, ah. Mais où est-ce qu'elle est passée, cette fille? Hein? Oh. Maison. Oninier.
Qui est à la porte? Ujuma, qui a-t-il? Est-ce que ça va? Ma sœur Wama n'est pas encore rentrée de la réunion. Et ma mère m'a envoyée de venir demander où elle est. N'était-elle pas à la réunion? Oui, elle est venue à la réunion. Ah oui, après la réunion, on était allé à la recherche dans la forêt. Mais je ne suis pas sûre que je le vis à mon retour. Est-ce que tu sais me dire qu'elle n'est pas encore rentrée? Non, je ne l'ai pas vue. Raison pour laquelle maman a dit que je viens demander après elle. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, elle reviendra. Peut-être qu'elle est allée voir un de ses copains ou quelque chose de pareil. On ne sait jamais, tu ne connais le fille, non? Juste rentre à la maison, hein? Elle va rentrer. Je ne pense pas que ma soeur a un petit ami. Je ne le pense pas du tout. Si elle a un petit ami, elle va te dire. Tu ne sauras jamais, hein? Juste calme-toi, va à la maison, elle rentrera, ok? Ne te dérange pas surtout, elle rentrera. Merci. Eh ouais. Tu ne l'as pas encore cherché. Ce n'est que le commencement. Il est tard. Et Wama n'est pas encore revenue à la maison. Et il n'y a aucun signe d'elle partout dans ce village. N'est-elle pas perdue? Oh, ma soeur ne peut pas se perdre. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose sur le chemin de la forêt d'Ogo. À la recherche de l'escargot. Comment Inès ne l'a pas vu rentrer à la maison? Elle veut dire qu'elle s'est perdue dans la forêt? Ah! Elle ne peut pas être morte. Soeur ne peut pas être morte. Non, 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 non. Oh non! Ma soeur ne peut pas se perdre. C'est impossible. Wama, pardon, reviens. J'ai dit arrête! Arrête de pleurer. Papa! Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures ici? J'ai dit ferme ta bouche et parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Wama est allée à la forêt avec... Avec son amie. Elle n'est pas encore rentrée depuis le matin. Et je suis en train de penser que quelque chose lui est arrivé. Elle n'est pas encore rentrée. Et c'est pour cela que tu pleures. Je sais qu'Aman ne me respecte plus dans cette maison. Qu'elle rentre et qu'elle me trouve ici dans cette maison. Je vais fermer cette porte. Je vais fermer cette porte. Elle va dormir dehors. Qu'elle revienne d'abord. Elle serait en train de se réjouir, je ne sais pas quoi. Mais nous l'attendons ici. Papa, qu'êtes-vous en train de dire, hein? Au lieu de chercher une solution de comment la retrouver, tu l'accuses d'être chez Mazé. Que je trouve une solution pour la chercher, moi. Entre à l'intérieur. Elle va me trouver ici si elle rentre ici. Entre à l'intérieur. Oh non. Oh non, ma fille. Ma fille, oh. Ma fille. Eh oh. Eh oh. Oh, so, bolo, wa. Oh non, oh. Oh non, oh. Oh non, oh non. Femme, pourquoi cries-tu mon nom? J'espère que tout va bien. Oh non, oh, rien ne va. Ça ne va pas, oh non. Ma fille a disparu depuis hier. Elle était sortie hier pour la répétition avec ses amis. Et depuis qu'elle est sortie hier de la maison, jusque maintenant, je n'ai pas encore revu. Es-tu sûre de ce que tu es en train de dire? Oh non, je ne saurais plaisanter avec ce genre de choses. Je ne saurais pas. Elle a disparu. Est-ce que ton mari, Izenduke, est au courant de ceci? Oui, Ono, il est au courant. Mais il ne fait rien à propos. Il ne paraît pas être préoccupé, Ono. Aidez-moi, s'il vous plaît. Es-tu en train de dire qu'elle n'est pas revenue de la forêt depuis qu'elle est partie? Ma fille n'est pas rentrée à la maison, Ono. Lindel m'a dit qu'elle était allée à la forêt avec elle. Mais depuis lors, elle ne l'a pas revue. Ono, s'il vous plaît, Ono. Aidez-moi à retrouver ma fille, Ono. Pardon, je vous prie. Ok. Mwaemba, va à la maison. J'enverrai un message à leur leaderuse Amuche. Hein? Oui, oh non. Mais pour l'instant, va chez toi, laisse-moi découvrir ce qui s'est passé. Aide-moi à retrouver ma fille. Oh. J'enverrai te chercher plus tard. Ma fille, oh. Oh non. Oh. Je dois retrouver ma fille. Oh. Et où?
Amuche, ma chère fille. On raconte que Wamma était allé avec vous à la recherche des escargots il y a longtemps et n'est jamais revenu. Comment pouvez-vous m'expliquer cela à moi? Mes salutations, Ono. Maman était avec nous quand on est entré dans la forêt des Ubom. En arrivant là-bas, j'ai donné des ordres que tout le monde trouvera une partenaire, puis elle ira chercher avec cette partenaire. Mais maman avait refusé catégoriquement. Même quand j'insistais qu'il doit chercher avec moi-même pour que nous cherchions ensemble. Mais elle avait refusé, puis je l'ai permis. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-elle disparu? Oh non, lorsqu'on est rentré, on ne l'a pas vue. Et on avait pensé qu'elle était rentrée à la maison. J'étais tellement surprise quand sa sœur Oju est venue chez moi pour la chercher. Je vois. Vous pouvez y aller maintenant. Merci, Ono. Ono. Premièrement, je pensais que c'était un jeu. Et maintenant, je crois vraiment qu'elle est vraiment perdue. Ono, s'il te plaît, fais quelque chose. Trouve ma fille. Ne la permets pas de se perdre juste comme ça, s'il te plaît. C'est bon maintenant. Je n'hésiterai pas d'exercer mes fonctions en tant que Ono de ce royaume. Tu sais, sous les ordres de notre roi, le Igwe, c'est bien de mes droits de résoudre les problèmes de ce royaume. Je vais rassembler chaque jeune fort du royaume de Obo pour aller dans la forêt de Obom pour aller la chercher. Ils vont la trouver, qu'elle soit morte ou en vie. Non, non. Ma fille ne veut pas mourir. Je ne peux pas accepter cela. Elle ne veut pas mourir. C'est d'accord. Elle ne mourra pas. Et il a foi, mon ami. Un être humain. Jeune du royaume de Obo. Une fille semble avoir disparu dans la forêt de Obom. La fille de notre cher Izenduka, ici présent. Une noble fille de notre terre. Maintenant, je veux que vous, le plus fort des jeunes de Obo, alliez dans la forêt à sa recherche. Assurez-vous de la trouver et de la ramener ici, saine et sauve. Et je vous promets que qui que ce soit la ramènera ici sera joliment récompensé. Oui, Ono. Merci, Ono. Merci beaucoup. J'apprécie l'effort de vouloir trouver ma fille. Il n'y a pas de quoi, Izenduka. Sais-tu... Le jeune, sais-tu, allons-y. Depuis que notre roi est mort, c'est mon devoir et mon obligation de m'assurer à ce que ces genres de problèmes sur notre terre soient très bien résolus. Oui. Ils vont la trouver. T'en fais pas, mon cher ami. Merci.
ça va aller. Wama. 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 Sœur. Maman, où est ta sœur? Ça va aller, maman. Où est-elle partie? Maman, qu'est-ce que j'ai offensé? Maman, c'est bon, nous allons la retrouver. Mon Dieu, où est ma fille? Je prie qu'on puisse la retrouver. Où est-ce qu'elle peut bien être à cette heure? Maman, où est partie ma fille? Naï, qu'est-ce que tu as comme information? On a mobilisé tous les hommes du village jusque dans la forêt Obo pour la chercher. J'ai prié qu'on la trouve. Oui, Onaé, nous le prions. Que le Dieu nous aide. Aïe, je suis à l'intérieur. Le Dieu de notre terre, je vous maman, prie de préserver ma fille. Où est-ce qu'elle est partie? Maman, où es-tu partie? Reviens à ta mère. Maman. Reviens. Sois calme, maman. Ma fille, c'est reviens bon. À la maison. Maman, arrête de pleurer. Reviens à la maison. Le Dieu de notre terre va nous aider à la maison. Ok. Oui, je le crois bien. Cesse de pleurer. Tu dois cesser de pleurer. Wama. 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 Ah. Tout le monde, venez ici s'il vous plaît, venez. Écoutez, pour que nous fassions cette recherche, pour réussir, nous devons diviser nos forces. Hein? Okedi, tu vas aller au sud. Uche, tu vas aller au nord. Acha, tu vas aller à l'est et moi je vais à l'ouest. Ako, tu veux que j'aille à l'est? Tais-toi. Fais seulement ce que j'ai dit. Hein? Nous devons la trouver. Bien sûr. Oui, nous devons vite la trouver. Il faut nous séparer. Wama. 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 Hey. Wama. Wama. Wama, hey. Wama. 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 Oh. C'est quoi ça? Oh. Oh. Hey. Wama. Oh. Wama. Où est-elle? C'est évident. C'est évident qu'elle ne se trouve pas de ce côté ici.
Il n'y a aucune trace d'elle ici. Écoutez, je ne crois pas qu'Iwoma soit dans cette forêt. Sinon, on aurait déjà dit la percevoir, non? Hein? Je suis fatigué. C'est clair qu'il n'est pas dans cette forêt. Je ne veux plus avancer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez. Rappelez-vous que Nohu nous a donné un mandat de retrouver cette fille. Mais qu'est-ce que vous dites là? Ok, il a bien dit ça. Mais il n'a jamais dit que nous devrions nous tuer si nous ne la trouvons pas. Bien quoi? Assez, c'est assez! J'en ai marre! Qu'est-ce que croyais-tu que Nohu pouvait dire? Honnêtement, que pensais-tu que Nohu pouvait dire? Il ne pouvait que t'encourager en tant que leader. Écoute, quand la recherche ne va rien aboutir, moi, ok, Eddie, je vais me retourner, comme ça. Comme ça! Tu veux que je meure ici? Non, vous ne pouvez pas vous retirer maintenant là. Non, ne le faites pas. Nous allons la trouver. Écoutez-moi, trouvons-la. Moi qui ai dit raison. Nous devons partir, il est encore temps. Sérieux? D'ailleurs, moi je pars. Hein? On va dire qu'on ne l'a pas trouvée. Allez, allons-y. Allons-en. Si vous décidez de partir comme ça là, moi je continue la recherche tout seul. Vas-y. Je vais aller. Moi je ne mourrai pas. Si tu veux mourir dans cette forêt, vas-y, meurs. Laissez-le même mourir, si je meurs. C'est son problème. Vous allez où comme ça? Revenez ici. Non, on n'a pas envie de mourir. Non, on s'en va en tout cas. Adja. Je n'ai pas envie de mourir. Uche, toi aussi, mon ami. Hey. Mais la vie d'abord. La vie est plus précieuse, oh. J'y vais. Oui, j'y vais. Wama. Elle est très belle, pas comme une humaine, mais aussi elle mérite de vivre, elle mérite de vivre, elle mérite de vivre. Wama. 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 Ça n'appartient pas à Wama, ça. Hein? Je pense que elle doit avoir été attaquée par les animaux sauvages. Non, tu ne peux pas mourir. Wama! Ha! Non, tu ne peux pas mourir. Non, tu ne peux pas mourir, pas maintenant. Pas maintenant, non! Wama! Non, tu ne peux pas me laisser. Tu ne peux pas mourir. Non, tu ne peux pas mourir. Non, non. Non. Tu ne peux pas mourir comme ça. Non. Wama, je t'aime. Je t'aime. Ah.
Wama. Ils sont rentrés sans ma fille, mon frère. Oh non, s'ils ne trouvent pas ma fille, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Calme-toi, s'il te plaît. Hey. À quoi on n'est pas encore revenu? Attendons à ce qu'ils reviennent d'abord. Hein? Calme-toi, s'il te plaît. Non. Ako, tu l'as trouvé. Oui, où est Wama? Au Zenduka. Au Nou. Je l'ai cherché, cherché et cherché. Je n'ai vu que son bracelet. Je pense qu'elle a été attaquée par des animaux sauvages. Hey! Qui l'ont dévorée. Ma fille, c'est comme ça que tu choisis de partir? Izenduka, calme-toi. Les dieux de mes ancêtres, pourquoi as-tu décidé de créer des problèmes dans ma maison? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Calme-toi, Izenduka, calme-toi. Hein? Nous n'avons pas le droit de questionner les dieux. Hey! Ils savent bien ce qu'ils font. Les dieux sont sages. Calme-toi. Donne-moi les colliers. Voici. Merci, mon fils. Hey! Hey! Tiens bon. À quoi, mon fils? Ono. Tu peux retourner chez toi maintenant. Merci, Ono. Tu as bien fait. Merci, Ono. Je t'en prie, mon fils. Hey. Wama, ma fille, pourquoi? Ndoka. Pourquoi tu as décidé de me laisser? Ndoka, hein? Ça va aller. Ta mère et ta sœur sont en les train dieux de t'attendre. Sont sages. Sois fort. Hey. Son âme crie vengeance. Son âme crie vengeance. Ne crains rien, ma fille. Bienvenue de la terre des morts. Bienvenue de la terre des morts. Prends ça. Ça sera ta protection désormais. Tiens. Tiens, tiens, prends ça, ma fille.
Porte-le. Je te voyais toujours dans mes rêves. Je n'ai jamais su que tu existais. Le mythe n'est pas plus puissant que la connaissance. Tu as une destinée différente. C'était la raison pour laquelle tes amis t'ont tué dans la forêt à cause de l'envie et de la jalousie. Mais te voici ici, en chair et en os. Tu ne savais même pas qu'elles avaient un plan contre toi. Tu veux dire... j'étais morte? Ta belle âme crie vengeance. Mais ton cœur innocent t'a ramené à la vie. Ne pleure plus, ma fille. Car demain... je vais te préparer pour la bataille contre ton ennemi. Repose-toi maintenant. Tu as besoin d'énergie. Ujuma, pourquoi tu n'as pas fini le travail hier au champ? Papa, j'ai essayé. J'étais fatiguée, raison pour laquelle je me repose. Regarde-toi. Tu ne peux pas faire un petit travail. Regarde-toi. Qu'est-ce qu'il sortait de voir? Wama, Wama, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me tue pas. Je ne suis pas responsable de ta mort. S'il te plaît, hein? Ne me tue pas. Je te promets de ne pas maltraiter ta mère encore. S'il te plaît, ma fille. Papa, ne me tue pas. Je ne suis pas morte. Je suis toujours en vie. Tu n'es pas morte? Papa, les morts ne parlent pas. Je suis en vie, papa. Je ne suis pas morte. Tu es en maman. Vie? Maman. Oudjou. Maman. Ma fille. C'est bien toi. Maman, c'est moi. Hé, hey, elle est vivante. Maman, touche-moi, je suis en vie, je ne suis pas morte. Grosse. Hello, grosse. Grosse, ma fille.
Que le Dieu soit gâteau. Maman. Hé, hey, ma fille est vivante. Ma fille. Merci au Dieu. Hé, hey, merci de m'avoir rappelé encore. D'avoir ramené ma fille en vie. Et maman, regarde-moi très bien. Et je veux bien. Ma fille est vivante. Oh. Et que les dieux soient loués. Oh. Merci au Dieu. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Hein, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Je dois dire quelque chose. Est-ce que tout va bien? Maman est de retour. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman est de retour. Hé, hey, ce n'est pas possible. Je l'ai tuée moi-même. Je m'étais assurée qu'elle est morte. De quoi tu parles? J'étais juste en train de marcher et j'ai entendu les gens dire cela. Es-tu sûre que tu as vu maman avec tes deux yeux? Amochi, écoute-moi. On doit faire quelque chose à propos de ça. Parce que si on nous apprend seulement notre histoire, hein, on est foutu. On est foutu. Il va envoyer le gens du village pour nous tuer aussi. Hey! On y est. On doit quitter ce village maintenant, immédiatement. Est-ce que tu m'as capté? Oui. On ira dans le village de ma maman jusqu'à ce que tout ça prenne fin. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment la meilleure chose pour nous de faire. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas à la maison et tu prends tout ce qui t'appartient. Trouve-moi ce Ukwaji. C'est lui qui a été banni du royaume d'Udo. On doit d'abord être là pour un moment. Je serai là à t'attendre. Compris? Vas-y, maintenant, on n'a pas assez de temps, okay, d'accord? Ok, vas-y. Je bouge, je m'en vais. Hey! D'Amochi, s'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas, s'il te plaît. Ah! Wama! 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 Qui va là? Uju, j'ai appris qu'elle est revenue de la forêt d'Obo. Je suis venue la voir. Oui, mais actuellement... Elle est à l'intérieur? Non. Elle est allée chercher quelque chose pour papa. Elle sera bientôt de retour. Ah, elle va rentrer bientôt. Ok. Oui. Ok, je vais revenir ici plus tard. Ok. Il faut partir. Je reviendrai plus tard. Allons-y. Oh, où est cette fille? Pourquoi elle a l'habitude de faire traîner les choses? Juste une simple instruction. Prends tes affaires. Hein? Je dois aller sans elle dans le royaume d'Ami. Est-ce que je dois me prendre la tête? On y est? On y est? On y est? On y est? On y est, Zabouché? Eh oh, s'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. C'était pas de ma faute. C'était On y est qui avait donné l'idée. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me tue pas. Je te laisserai en vie pour une seule condition. Va et dis à Onou et dans tout le royaume comment tu m'as tué à cause de l'envie et de la jalousie. Oui, je m'en vais. Oui, je pars. Va-t'en, s'il te plaît. Maintenant. Je pars. Oui, va-t'en. Je pars. Eh wow. Ouais. Eh wow.
Hebi, attends. Toi et ce flair, tu sais que j'aime ça. Ne t'étonne pas, c'est vraiment, vraiment très bien. Je les adore grave. Ok, Uka, qui est-ce qu'on n'a jamais vu dans ces royaumes? Qui allait même y croire que Moma allait revenir? De la forêt d'Omba, après avoir été confirmée morte des jours passés, ma sœur, toutes ces choses me dépassent sincèrement. Mais, Eboué, qu'est-ce qui lui avait été arrivé dans la forêt? Si tu me les demandes, et moi je demanderai à qui? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je ne sais pas où. Suivons-la. Allons-y. Amouche, attends. Amouche. Hey. Zenduka, mon ami. Oh, Onohu, je suis content pour toi. Je suis très content pour toi. Au moins ta fille perdue est maintenant retrouvée. Onohu, je n'ai même pas remercié les dieux pour ça. Exact. Regarde-moi. Hey. Je suis maintenant heureux. En tout cas. Elle est en vie. Mais qu'a-t-elle dit exactement? Qui était arrivé à elle? Onohu, je n'ai même pas eu le temps de demander. Oh non, je vais confesser. Je vais confesser. Confesser quoi? S'il te plaît, je vais confesser. Confesser quoi? Je vais confesser. Mais parle, non? Je vais confesser. Jeune fille. Oh non. Arrête de me faire perdre mon temps. Qu'est-ce qui se passe? Parle. Jeune fille, parle. J'avais tué Moma. J'ai planifié de tuer Moma dans la forêt d'Omba. Quand on était allé à la recherche de fougères, je l'enviais et j'étais jalouse pour elle. Parce que mon homme, Ako, l'avait choisi que moi. Moi et mon ami Onye, on l'a tué dans la brousse. Hey! Je t'avais dit. Wow! Je ne sais pas comment elle a survécu. Puis revenir dans notre royaume, s'il te plaît. Toi! Tu as tué ma fille! Toi! Amouche, donc c'était toi qui étais derrière la disparition de Wama. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Je vous en supplie. Mon peuple, oh non, Ako, s'il te plaît, pardonnez-moi. Laissez-la, elle le mérite. Non, ce n'est pas vrai. Amouche. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Amouche. Mais, oh non, qu'est-ce qui se passe au juste? Oh non, elle est morte. Elle est morte. Le monde, dit-on, ne cessera de nous étonner. Hey! Emmenez son corps dans la forêt maléfique. Elle ne mérite pas d'être enterrée dans ce royaume. Prenez son corps. Enlevez-la. Hey, les dieux de nos ancêtres. Maman. Ah, Roman, tu es déjà entrée. Oui. Bienvenue. Contente de te voir. Maman, tu dois être honorée parmi les femmes. Et tes jours seront longs.
Je peux sentir le bébé dans ton ventre. C'est un garçon. Un bébé. Mais je ne suis pas enceinte. Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira mieux. Lady l'ont fait. Prends courage, maman, ok? Sois courageuse. Ok. Je te reviens. Ok, c'est bien. Merci. Que les dieux soient loués, oh. Hey. Ma femme, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'avais fait contre toi et mes enfants. J'ai réalisé mes erreurs et je te promets de prendre soin de toi et de mes enfants. Avec ou sans un garçon. Il n'y a pas de problème, mon mari. Nous ne pouvons pas t'haïr. Nous t'aimons toujours. Et je crois qu'il arrivera un jour où tu réaliseras combien nous t'aimons. Ma chère, j'ai réalisé mes erreurs. Mes filles, je vous aime beaucoup. Je vous promets de ne plus vous maltraiter encore. S'il vous plaît, venez. S'il te plaît, viens. Wama. Mes filles, venez, Wama. J'ai dit que je suis désolé. Viens. Viens, mes chéries. Ujuma, ma femme. Je suis désolé. Je t'ai déjà pardonné, papa. Merci. Oui, nous merci beaucoup, pardonné. Ma fille. Merci, mes filles. Nous t'aimons beaucoup. Je réalise que tu as risqué ta vie quand je t'ai perdu en allant me chercher. Si seulement c'était d'autres hommes, ils allaient stopper. Mais toi, tu as persisté. Pourquoi? J'avais vraiment hâte de te retrouver pour réunir nos vies. Je suis vraiment amoureux de toi. Je trouve aussi que ça ira entre nous. Avant aujourd'hui, en regardant la façon dont mon père frappait ma mère, je refusais de tomber amoureuse. Et j'avais aussi refusé de me marier à n'importe qui. Parce que je réalisais que, après le mariage, l'homme se détournera contre moi. Oui. Mais tu m'as prouvé le contraire. Mon amour, j'ai trouvé l'amour en toi. Et je te promets, je suis prêt à prendre soin de toi tout le restant de ma vie. Je te le jure par de Dieu que tu ne manqueras de rien du tout. Alors, j'essaie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre chose. Wama. Veux-tu m'épouser? Oui. Tu as dit oui? J'étais
Onowu. Calme-toi. Hein? Calme-toi. Hein? Elle va très bientôt donner naissance. Vraiment. Hein? Onowu, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que... Hey, Nae Zunduka. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, Nae. Que les dieux de notre terre soient glorifiés. Hey, vas-y, pas. Ta femme vient d'accoucher un joli bébé garçon. Hey! Hey! Onowu. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. J'ai maintenant un fils. Exact. Hey, Onowu, comment va ma femme? Elle est où? Nae, calme-toi. Ta femme va bien, hey, le bébé aussi. Hey, oh. Attends, hey, j'arrive. Je vais les amener. Zunduka. Zunduka. Pour notre rêve. Onowu, je peux maintenant dire que je suis un homme. Exact. Je suis maintenant un homme dans cette communauté. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir réuni ma famille. Onowu, je te l'avais dit, hein, que les dieux de notre terre sont plus grands. Ils savent bien ce qu'ils font. Exact. Hein? Je te l'avais dit, cela mérite une célébration. Oui, tu avais raison. Tu avais confiance à moi. Onowu, merci beaucoup. Merci. Sois béni. Nous allons fêter ça. Hein? On va fêter tout ça. Nous allons manger. Boire. On va faire tout ce qu'on veut. Exact. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. If I put in my renown, I'll tell.